À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'hygiène. Je vais parler de l'hygiène et des gens qui puent et qui ne se lavent pas. Et franchement c'est super désagréable. Moi je travaille au McDonald's, le titre c'est ça, McDonald's. Surtout les gens au McDo, putain, mais je ne sais pas si vous rendez compte de votre odeur, je ne sais pas si vous rendez compte quand vous ne lavez pas quoi que ce soit, que vous sentez mauvais. Alors c'est pour ça que je voulais parler de l'hygiène. L'hygiène. Alors moi je vais vous montrer un truc qui est super efficace pour les gens qui se lavent pas, qui connaissent pas encore c'est quoi le déodorant ou le shampoing. Alors moi je vais vous montrer, je te présente Dope. C'est un truc qui est super radical pour se laver, ça s'appelle le quotidien de la vie, de se laver tous les jours, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui se rendent compte de leur odeur en fait. Avec des gens qui sentent mauvais, que ce soit dans les transports, que ce soit dehors tu sens pas, parce que voilà. Mais je suis passé à côté d'une fille au McDonald's, putain, mais elle sentait mauvais, elle puait de ouf. Alors franchement j'ai rien dit, mais putain, elle était à 15 mètres de moi. Alors c'est super désagréable. Alors moi je vais vous montrer ça, c'est un truc qui est radical, qui est, en plus ça sent super bon. Donc je peux vous le conseiller pour les gens qui prennent pas la douche et qui connaissent pas c'est quoi le déodorant, le shampoing et tout ça. Alors je vous le montre, regardez, c'est bien. Donc il y a ça. Et je vais vous montrer un truc, une fois que vous avez fini de vous laver, mais surtout n'hésitez pas à mettre du brut, je vous conseille, ça sent super bon. Voilà, ça s'appelle du déodorant. Comme ça vous sentez bon, et puis comme ça vous sentez pas mauvais, parce que c'est super désagréable pour les gens qui travaillent, qui bossent, de parler à des gens qui sont mauvais. Maintenant je vais vous parler des gens, parce que je ne sais pas pourquoi pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont encore sur le temps des chevaliers ou de la table de bleu ronde, quoi. Ils schlinguent ces enfoirés, franchement. Alors franchement, lavez-vous, quoi. Des fois, quand je passe à côté d'une personne qui sent mauvais, je regrette d'être né, en fait. Franchement, je regrette d'être né. Oh là, lardine, je regrette d'être né. Quand... Alors, je vais vous montrer un truc, deuxième qui est radical, pour les gens qui sont mauvais de la bouche, de l'hygiène, parce que c'est le thème, c'est l'hygiène. Alors, moi, je vais vous montrer le brossage de dents. Voilà, je vous présente une brosse à dents, et je vous présente un dentifrice. C'est pas compliqué de faire ce que serait-ce, ça, et de faire juste prendre le geste comme ça, et de faire comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est pas compliqué, parce que moi j'en ai marre de parler à des gens qui sentent mauvais de la bouche, ou alors parler à des gens qui se lavent pas, qui sentent à 15 mètres. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire, parce que l'hygiène, je vous en supplie les gens, mais lavez-vous, parce que franchement, c'est super désagréable, parce que je suppose que vous, ça vous arrive aussi de passer à des gens qui sentent mauvais, ou avoir des potes, ou des gens de la famille qui se lavent pas, mais qui sentent le bouc. Franchement, c'est ça en fait. Les gens, ils se croient encore sur le ton des chevaliers en fait. Alors moi, franchement, s'il vous plaît, je vous en supplie, les gens, lavez-vous, parce que non, c'est pas possible, quoi. Nous sommes en 2020 et c'est pas possible de pas se laver en fait. Alors moi, franchement, c'est tout simple. Ou alors, je vais vous montrer un truc, si vous avez la flemme de vous brosser les dents, moi, je vais vous montrer un truc qui est super radical. Alors, soit c'est le bain de douche, prenez un bon bain de douche, vous rincez ce que serait si vous rincez, parce que ce serait bien. Ou alors je vais vous montrer un truc. Regardez. Vous savez c'est quoi, c'est des chewing-gums. Vous prenez ce que serait des chewing-gums à la menthe, pas ceux-là, parce que ça c'est pas des chewing-gums pour la laine, mais vous prenez la même marque avec des chewing-gums à la menthe, parce que c'est super désagréable. Et je plains surtout les gens, je plains surtout les élèves qui vont à l'école et qui se tapent et qui parlent à des profs qui puent de la gueule. Franchement, je me mets à votre place, parce que c'est super désagréable. Surtout quand vous êtes en face du prof, vous êtes tout au bout. Parce que ceux qui sont derrière, ils sont tranquilles. Mais ceux qui sont en face du prof, qui sont à côté, où il y a l'ardoise et je sais trop quel tableau, c'est super désagréable d'avoir des gens qui sont mauvais de la bouche. Alors ce que c'est tout simple, comme bonjour, c'est tout simple pour se brosser les dents. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps de brosser les dents, prenez cette marque-là. Mais à la menthe. Ça, c'est ce que je peux vous conseiller, parce que franchement, on en a marre. Non. Moi, en tout cas, j'en ai marre de parler des gens qui sont mauvais de la bouche. C'est super désagréable, mais le pire, c'est... Il n'y a pas que la laine. Le pire, c'est qu'il y en a qui se lavent pas pendant, je sais pas combien de temps, qui se lavent pas pendant, je sais pas, pendant au moins 2 semaines, mais vous vous rendez pas compte de votre odeur, en fait. Alors moi, je vais vous montrer ça. Voilà, une dernière fois. C'est simple, hein.
et vous prenez un gant pour vous laver, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo, Donc j'espère qu'à l'avenir vous allez vous laver parce que c'est super désagréable et non, c'est pas possible. Alors c'est pour ça que je voulais parler de l'hygiène. L'hygiène c'est très important. Moi je prends soin de mon corps, je me lave tous les jours, je me brosse les dents tous les jours. Donc il n'y a pas de raison que vous ne le faites pas parce que non, c'est pas possible. Mais heureusement que c'est pas tous les jours. Alors moi je vous montre une dernière fois. Ok, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. C'est un truc qui nous appartient, c'est un truc qui sont avec nous au quotidien. Ça s'appelle la brosse à dents et le dentifrice. C'est un truc qui existe depuis très longtemps et c'est super important de prendre soin de son corps, de sa bouche, de son corps, voilà. Et une dernière fois. Ta-da ! Voilà. Et ça à la fois qu'on finisse de laver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans ce petit débrief. Hein. N'oubliez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi je vous dis à très bientôt, dédicace à tous.